suite. Article 1er est ratifié conformément aux articles 129 alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 21-026 du 24 décembre 2021 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 22-005 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 5 mai 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 5 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-008 du 5 mai 2022 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-006 du 26 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié conformément aux articles 129, alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 21-026 du 24 décembre 2021 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 22-006 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 5 mai 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-009 du 5 mai 2022, autorisant la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214, alinéa ter de la Constitution, la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 5 mai 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-010 du 16 mai 2022 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-008 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 69-62ZR du 17 juillet 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel des projets de préparation stratégique
et de réponse à la COVID-19. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié, conformément à l'article 129 alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 2106 du 24 novembre 2021 portant habilitation du gouvernement. L'ordonnance loi numéro 22008 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6962ZR du 17 juillet 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement additionnel des projets de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19. Article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-011 du 16 mai 2022 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-007 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements signé le 18 juin 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié conformément à l'article 129 alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 2106. Du 24 novembre 2021 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 22007 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements signé le 18 juin 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-012 du 16 mai 2022 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-009 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe de développement économique en Afrique au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, deuxième phase. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié conformément à l'article 129 alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 2106 du 24 novembre 2021 portant habilitation du gouvernement. L'ordonnance loi numéro 22-009 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, deuxième phase. Article 2,
la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Loi numéro 22-013 du 16 mai 2022 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-010 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21-0015-0042-743 du 25 novembre 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de financement du programme d'action d'appui au développement agro-industriel de Ngandanjika en sigle PRODAN. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est ratifié conformément à l'article 129. Alinéa 2 et 3 de la Constitution et 4 de la loi numéro 21-06 du 24 novembre 2021 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 22-010 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21-0015-0042-743 du 25 novembre 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du financement du programme d'appui au gouvernement au développement agro-industriel de Ngandanjika en sigle PRODAN, article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Passons maintenant aux ordonnances. L'ordonnance numéro 22-031 du 16 mai 2022, portant approbation de l'accord de don numéro D9510ZR du 11 février 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, le président de la République. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 213 alinéa 2, vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en son article 34. Vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 67, alinéa 3 et 68 et 71 alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de don numéro D9510ZR conclu en date
du 11 février 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est approuvé. L'accord de don numéro D9510ZR d'un montant de 125 millions de dollars conclu en date du 11 février 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses. Article 2, la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature et sort ses effets à cette même date, fait à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-032 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Nigeria. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérale du Nigeria, Madame Pascaline Guérengbo-Yakivu. Article 2, la précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-033 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Rwanda. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Rwanda, M. Jean de Dieu Mitima Bulunzi. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 22035 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Corée. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Corée, M. Ileka Atoki. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilin Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22036 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Royaume d'Espagne. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Royaume d'Espagne, Madame Geneviève Lukusa Kayembe Nkaya. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilin Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22037 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Serbie. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Serbie, M. Didier Kankou. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilin Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22039 du 16 mai 2022,
portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la principauté d'Andorre. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la principauté d'Andorre, Madame Isabelle Machik Ruth-Tchombe. Article 2. Les fonctions conférées à la précité par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice de celles qu'elle occupe ès qualité en vertu des ordonnances antérieures. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou-Kondé Kieng est premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-040 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la principauté de Monaco. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la principauté de Monaco, Madame Isabelle Machik Ruth-Tchombe. Article 2. Les fonctions conférées à la précité par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice de celles qu'elle occupe ès qualité en vertu des ordonnances antérieures. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou-Kondé Kieng est premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-041 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Madame Isabelle Machik Ruth-Tchombe. Article 2. Les fonctions conférées à la précité par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice de celles qu'elle occupe ès qualité en vertu des ordonnances antérieures. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou-Kondé Kieng est premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-042 du 16 mai 2022,
portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Grand-Duché de Luxembourg. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence à Bruxelles au Royaume de Belgique, M. Christian Ndongala Nkuku. Article 2. Les fonctions conférées ou précitées par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice de celles qu'il occupe ex qualité en vertu des ordonnances antérieures. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-043 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas, avec résidence à Bruxelles, au Royaume de Belgique, M. Christian Ndongala Nkuku. Article 2. Les fonctions conférées ou précitées par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice de celles qu'il occupe ex qualité en vertu des ordonnances antérieures. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-044 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Saint-Siège. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Saint-Siège, M. Déogracias Ndagano Mangokoubé. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 16 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-045 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République démocratique du Congo près la République de Turquie. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Royaume d'Espagne, M. Djuma Kauzeni Rachidi. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizia, directeur de cabinet. Je répète qu'il s'agit bien de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Turquie, M. Djuma Kauzeni Rachidi. Merci de votre attention.